est la seule créature capable de trouver un moyen pour sortir du terrible labyrinthe construit par Dédale. Hé, Virgile, est-ce que tu as entendu parler du monstre qu'ils ont trouvé dans les égouts? Bien sûr que oui. La ville refuse qu'on fasse descendre d'autres hommes. Ceux qui sont remontés disent que ce monstre est vraiment horrible. Tu sais ce qu'on devrait faire? Descendre dans les égouts et essayer de trouver le monstre. Et tu vas encore sauter le déjeuner? Non, ce qu'on devrait faire, c'est rentrer bien gentiment à la maison. Comme ça, on court aucun risque. Tu sais ce que je pense? D'après la description, l'aspect physique, le comportement, je crois qu'il s'agit de mon monstre. Faut absolument le retrouver avant eux. C'est-à-dire avant que la terrible bande de chasseurs fous n'organise une battue pour lui régler son compte. Les égouts de Ravenville, ça forme un peu un immense labyrinthe, des centaines de kilomètres de galeries très sombres. Il faudrait donc qu'on ait quelqu'un qui nous aide à en sortir. T'as une idée? Monsieur Plunkett, est-ce que vous m'avez écouté cette fois? Est-ce que le mot Minotaure vous évoque quelque chose? Le Minotaure? Mais bien sûr! C'est fabuleux! Une idée géniale! Bravo, Madame Picouette! Ah, les Minotaures ne courent pas les rues. Il m'arrive d'en avoir un à vendre de temps en temps. À cause de leur rareté, ils valent une fortune. Oh, vous savez, Igor, je ne pourrais jamais m'en offrir un. Je me disais que je pourrais peut-être en louer un pour la nuit. Vous voyez, je n'ai que 37 cents. Ah, ça colle. Ah, hein? Ah! Igor, vous avez besoin d'un coup de main? Ah, tu calmes. Non, on ment pas. Oh. Je voulais te dire, Brady, je connais un hamster qui est incroyablement doué pour sortir de son tunnel en plastique. Oublie-moi un peu. Il s'est accroché à quelque chose. Donnons un coup de main à Igor, Virgile. Bon, d'accord. Mais faites vite, hein, je risque d'avoir une crampe. Allez, aquarium de piranha. Pour tout vous dire, d'habitude, il n'est pas comme ça. Ah, il doit être un peu nerveux. J'ai l'impression que c'est plutôt lui qui aurait dû te payer pour sortir son monstre une nuit. On dirait que mon monstre donne du fil à retordre aux policiers. En plus, il ne possède pas notre arme secrète. Oh, c'est étrange comme il est devenu calme tout à coup quand il s'est retrouvé dehors. C'est vraiment renversant. Ouvrons l'œil et faisons attention. La bouche d'égout doit se trouver par ici. Bien joué, Virgile. Tout le plaisir est pour moi. Suivons le guide, ma grosse bête à cornes. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, ma grosse boule? Tu as peur dans le noir, je me trompe? Virgile, je sais pourquoi il était effrayé quand il était dans la réserve d'Igor et pourquoi il ne veut à aucun prix descendre dans les égouts. Parce qu'il a peur du noir. Hein? Comment t'as deviné? Eh bien, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement sombre là-dedans, Brady, mais je crois que je deviens claustrophobe. Oh non, il est aussi claustrophobe. Tu vois quelque chose? Non, rien. C'est comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Je dois le retrouver, Virgile. Je crois que je l'ai trouvé, moi. Le Minotaure, c'est mon seul espoir pour retrouver mon monstre. Un Minotaure qui est atteint de claustrophobie et qui en plus a peur du noir. Tu parles d'une mauvienne, Brady. Je veux pas te mettre. Mais tu as quand même raison. Ah bon? Tu as décidé d'abandonner l'idée plus ou moins ridicule de retrouver ton cher monstre? Non, mais on va commencer par essayer de trouver un Minotaure plus efficace. Tiens, c'est fermé. Et où est passé notre ami Igor? Il y a un mot. La boutique sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Le propriétaire prend des vacances bien méritées dans un coin tranquille à des milliers de kilomètres. Signé Igor. PS. Non, ce n'est pas la peine, je n'ai pas d'autres Minotaures. On fait quoi? J'ai un plan. Oh, génial, un plan. Moi aussi j'ai un plan. Genre, je rentre à la maison. Tiens, prends ça. Je vais chercher des trucs dans ma chambre. Hé, Brady, attends. Écoute, je crois que j'étais un peu dur avec toi. T'es vraiment pas une mauviette, hein, vraiment pas. Je crois même que tu dois plutôt faire honneur à ton espèce, hein. Tu dois être le Minotaure le mieux bâti de tout le troupeau. Et
j'allais oublier. Je trouve ça très joli ce que tu as fait avec tes sabots. Ça devrait le faire. Allez, on y va, Virgile. On a plein de choses à faire. Tu peux me dire pourquoi c'est encore ma pomme qui doit aller ramper dans les égouts puants de la ville? Sinon, tu pouvais aussi faire équipe avec le Minotaure. Et si je trouve ton monstre, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui donnes ça. Il adore jouer avec cette balle. Mais moi, j'adore pas jouer avec lui. Virgile est entré à cet endroit, alors à ton avis, où est-ce que tu crois que mon monstre peut se cacher? Tu en es sûr? Virgile, est-ce que tu m'entends? Allume ta caméra. Brady, c'est bien toi? Je suis perdu, j'ai très faim et je suis mort de soif. Ça fait combien de temps que je suis ici? Environ 10 secondes. Et j'ai pas craqué. Dans peu de temps, tu vas arriver à un endroit où ça se sépare en deux. Quand tu y arrives, tu tournes à gauche. Des vieilles chaussures, des vêtements déchirés, c'est pas vraiment bon signe. Virgile, j'entends pas bien, j'ai des parasites. Il y a quelque chose qui claque. Ce sont mes dents. Détends-toi, Virgile. Souviens-toi, il ne faut pas baisser les bras pour rien. Je croyais que c'était « il ne faut pas chasser les chats pour rien ». C'est aussi un bon conseil. Bon, maintenant, il faut que tu continues dans cette direction, d'accord? Nous, on va s'installer confortablement. Ça risque d'être long. Bon, récapitulons, je suis déjà passé par ici. Le mieux, c'est de prévenir Brady, cette fois je suis perdu. Je viens de voir quelque chose qui n'avait pas l'air très amical. Oh, j'espère que j'ai pris des allumettes ou une lampe de poche ou que je vais prendre la prochaine sortie. Brady, dis-moi ton monstre, il a des yeux rouges qui brillent, des yeux immenses et des crocs comme des sables. Pas de panique, on t'entend terminer. Ça vient à ma rencontre. Il n'a pas l'air du tout content. Mais pas du tout content. Je ne vois rien sur mon écran de contrôle, Virgile. Il va falloir que tu me fasses une description. C'est plus gros qu'une boîte à pain. Une boîte à pain? Oh, c'est plus gros qu'un réfrigérateur. Je sais ce que tu dois penser en ce moment. Qu'est-ce qu'un gars comme moi fait dans un endroit comme ça? Je suis de ton avis. En réalité, j'étais sur le point de partir. Regarde ce qu'il a dans sa poche, tonton Virgile. C'est ta jolie petite bambale préférée. Alors tu vois, je suis ici en ami. Quelqu'un avec qui tu vas faire mumuse. Pas quelqu'un avec qui tu vas te faire les dents. Va chercher la bambale. Il joue avec sa balle, celle qui fait du bruit. J'ai l'impression qu'il se rapproche de moi. Ne me taquine pas, Virgile. Tu es sûr et certain que c'est lui. Il me mord la jambe. C'est lui. Il n'y a pas de doute. C'est bien mon monstre. Conduis-moi jusqu'à lui. Pas un geste, pas en l'air. Le Minotaure, où es-tu passé? Et oh! On te suit. Et en plus, tu as aussi peur de l'eau. Alors que Virgile, il sait à peine nager. Où est mon monstre? C'est lui, ton monstre. Pas lui, c'est Ravenville qui vient de tirer la chasse d'eau. Mais toi, tu viens de laisser ton monstre partir. Il a autant envie d'être avec moi, tout comme moi j'ai envie d'être avec lui. Tiens, ça m'impressionne. On dirait que mon bon sens commence à déteindre sur toi. Oh, oh. Ça,
C'est très drôle. Tu veux que je te dise, Brady? Ce brave Minotaur a un sacré sens de l'humour. J'ai comme l'impression que c'est le début d'une belle amitié. Le début d'une belle amitié, tiens donc.